dernière finale, on verra bien. Je souhaite bonne chance aux UFR. T'as quand même pu avoir le choix de la map. Je souhaite de bonne réussite. Allons-y. Alors là, si ça se passe comme en classé, il va y avoir un gros combat en B. À mon avis, B, ça va être extrêmement chaud. Ça va camper sur B comme des gros bouseux. Oui. Il brisait. C'est pas si bête, j'en ai tiré. Moi, j'ai joué aujourd'hui sur Il brisait. En classé. J'ai fait un massacre. C'est bien. Salut Ryu, comment tu vas? Bien sur stream. Du genre, tout le monde était sur B, c'était le bordel. Puis je passe en Myoko, je vais faire le tour pour aller chercher le PA. Puis pour ça, je me dis, ouais, je tire les torpilles dans ce sens-là. Je bute un ATL, je mets 3 torpilles à un Nagato. Alors que je voyais pas, j'ai juste tiré au hasard. Ouais, si t'as tiré dans un couloir, ouais, c'est faisable. Là, c'est le couloir qui a tête, tu vois, de... Tu vois, quand tu passes de... T'as entre C et B, tu vois. Ouais, ouais. Et après, t'as A et B, t'as ce couloir-là en travers. T'as plein de couloirs partout dans cette map. Ouais. Je crois que le couloir le plus facile au torpiller, c'est celui au nord de A et B. Oui, mais c'est toujours là, oui. Mais j'ai vraiment transporté torpille en travers, toi, genre là. C'est la tradition, tu balances toujours une torpille si tu passes à côté. Fi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme compo? Un seul Kutuzov chez nous. Enfin, chez les Anglais. Oh, tu fais des marmottes! À voir. Là, j'ai envie de dire que sur cette map-là, avoir deux destroyers, c'est pas si important que ça. Ah, quoique! Ça peut être une petite surprise. Oh, là, j'ai vu le tirer ce qu'a fait. Coucou! Ah, c'est embêtant. Ok. J'ai quand même essayé de prendre la PA pour finir. Ouais, c'est au final, ouais. Ah ouais. Mais ils savent ce qu'ils font sur cette carte, j'ai confiance en eux. T'es foutu aussi? Non, toujours pas. Toujours pas. Il y a que l'attaque qui me tire dessus et un peu de mal. Techniquement, il est plutôt S, hein, donc bon. Hein. Et mais, il a mis le temps. Hein. Allez, c'est bon, enfin. Ok, donc moi j'ai un Fubuki, il y a Skill qui se dirige droit sur B. Alors toi, ton équipe, ils vont A et B, c'est ça? Alors là, ils se dirigent violemment sur B. Là, c'est... Tous sur B? Bah, je vais faire Dandu qui passe par le couloir dont tu parlais. Il y a Kill qui passe par la gauche de l'île, justement, juste à côté. Ils foncent les deux destroyers sont foncent sur B. D'accord, c'est intéressant. Moi, de mon côté, ils font un petit peu A et B, j'ai l'impression. T-Ship va contourner par A, il va se manquer derrière A, à voir. Moi, sinon, il y a moi qui coule, mais il y a le Tirpitz aussi qui se... Ah. En tout cas, ils vont vers le même endroit, de toute façon. Là, ils vont... Ouais, non, sur le cas de l'équipe des UFR se dirige clairement sur B. Pour l'instant, ils ont pas été vus, hein, les UFR. Ils savent pas où ils vont. NRAC. En fait, ils y vont en ordre dispersé, les Anglais, là. Je suis en train de voir. Ils vont comment? Il y en a un petit peu sur C et un petit peu sur B, mais pas par le même côté. Intéressant. Je me demande ce que ça va donner, là, pour le coup. Le fail de kill, merde. C'est pas ouf. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il était sur le cap de B et il est sorti direct. Il est rentré et sorti. Je sais pas si c'est un bait de sa part, mais en tout cas, ça me semble un fail, mais... pas me prononcer avant. Kishipe est clairement en train de se faire démolir ses avions pour l'instant. Pas la domination aérienne, je vois pas. Après, il en a besoin pour le coup. Enfin, tandis qu'il est un peu esselé au milieu de B, là, il est un peu perdu. Quoi. Et du coup, c'est l'Atago qui va cap PC, hein, du côté des Anglais. Ah, intéressant. Effectivement, ils le mettent là. Ouf. Kill qui est en mauvaise posture, il s'est bien animé. Faudra lui qui a pris une bonne sauce, mais qui arrivera peut-être à son barrer. Ah, mais il reste sur B, hein, il veut caper, hein, il va y rester. Il veut pas fumer, hein, il veut pas s'arrêter, il veut pas fumer. C'est très courageux. Moi, clairement, là, j'aurais déjà eu plus la prudence qu'en fait. Hein. Non, moi, pas. Pas pour l'instant. Finalement, ils sont en train de back. Hein. Ils étaient partis pour aller sur B par l'autre côté, et finalement, ils se disent non, on va aller de l'autre côté. Ils sont tous du même côté. Ferdinandi qui est en feu, qui se fait allumer, qui se fait une torpille, des tirs, qui se fait des caps à chaque fois à la dernière seconde, quoi. Ouais, là par contre, j'aurais fumé là. Là il fume. Ferdinandi fume.
Ah, Kutuzov dans la fumée qui commence à allumer du Tchapayev et du North Carolina de l'autre côté. Sauf que s'il se prend un radar, il va être très déçu le Tchapayev, le Kutuzov. Il est un peu loin. Il a combien de bornes? Il est à 10 km du North Carolina, de Captain Famous. Donc il est largement porté du radar. C'est 13 bornes le radar du Tchapayev. Hein. 13 bornes. Ah mais c'est les radars russes, ils sont moins longs mais ils portent beaucoup plus loin. D'accord. Que les Américains. Ils ont le de leur force et leur contrepartie. Mais après, vu l'endroit où il est chiant à taper. Là. Ah, il se déplace finalement. Ah, il y a Fernandi. S'il fait pas un move de. Fernandi, tu bouges. Fernandi. Putain. N'esquive, nene. Mon dieu. 11-7, pardon. 11-7, j'ai rien dit. C'est du 13 bornes, c'était 11,7 km. Mais il est quand même à partie, c'est ce que je pense. Pour l'instant, les GFR arrivent bien à mettre en place leur jeu. Ouais, mais ils sont en train de se faire encercler sur B. Ouais, effectivement. Là, il faut qu'ils sortent de B. Faut absolument qu'ils sortent de l'autre côté de B. Et qu'ils se mettent à camper. Je crois que le Kutuzov avait pris une petite sauce, moi. Il a pas été touché. Le Kutuzov... non, il a pas été touché. Ok. Par contre, là... Oh merde, Fernandi. Fernandi, ce qui a fait des torpilles, magnifique. J'ai. Par contre, s'il te plaît, Fernandi, casse-toi, tu vas te faire démolir. Bon, je vais bailler aussi, hein. Attends. Pour l'instant, les Anglais font un mouvement d'encerclement qui est très joli. Le Tchapayev va y passer. Il passe. Oh, les torpilles très bien tirées. Ah oui, c'est parce qu'il va se les prendre. Aïe. Il est pas dans. Eh non, il se les a pas pris. Ah, c'est pas vrai. C'est vraiment trop rare, putain. Deuxième mort. Du coup, Benson est mort aussi. Mais pourquoi ils sont pas passés de l'autre côté? Là, je comprends pas. Ils essaient de faire le tour, mais je sais pas trop ce qu'ils font. Pour l'instant, là, ils ont A et B. Ils lâchent B, ils campent derrière B. Mais regarde où ils sont. Tu vois ce qu'ils font? Ah, mais tu vois pas. Ah. Ils tirent sur les alliés, non. T'as le Kutuzov et Saratpaga, ils sont au milieu du canal, plantés. Et là, Yoshi qui est en train de rentrer dans le canal va se faire démolir. Yoshi va y rester dans les minutes qui suivent. Parce qu'il a un Tirpitz, c'est un Kutuzov qui l'attend. Sans compter le CV. Ah, il est mort. Alors le Fubuki passe aussi. Ça le problème. En fait, c'était plus les destroyers que je disais. Qu'est-ce qu'ils foutent encore là? C'était mon truc. Ah, qu'il est dans sa fumée. Peut-être qu'avec un peu de chance qu'il peut survivre, Kill. Ou au moins qu'on torpille quelqu'un. Non, il est mort. Mais il a une inondation, il s'appelle une torpille, je crois. Et il s'est pris quelque chose parce qu'il est mort. Il avait 5000 points de vie, il est mort d'un coup. Donc il s'est pris quelque chose. Ah, Kill a pas eu tant de torpilles avant. Tirpitz qui est crevé alors. Ouais, bon. Ça s'annonce pas bien pour l'équipe des UFR. Ouais, c'est dommage, c'était bien parti. Là. Ils avaient un très bon début, puis d'un coup ça a fait l'hécatombe, quoi. Poum, 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 poum. Ouais, je sais. Ils se sont fait piéger. Quand ils ont fait le mouvement d'encerclement, j'ai fait. S'il en reste un de l'autre côté de B, ouais. Il est instable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Beau tir de Captain Famous. Captain Famous est vraiment bon dans son NC. Il l'avait déjà dit, T-Ship, mais ouais, hein, c'est. Il rigole pas. On fait des tirs, vraiment des très beaux tirs quoi, cette soirée. Ah, je crois que Zichip, il a trouvé une cible toute seule à la Tago. Ah non, c'est pas. Putain, ces avions sont morts en 10 secondes, quoi. Même pas. Attaquons la Tago. Ouais. Merci Wargaming pour vos magnifiques buffs de la. Écoute, il continue de tenir B. Je vais faire la folle à prise. Oui, mais non. Maintenant, B ne gagne plus de points. Ouais, il gagne plus de points, mais il faut le tenir. Là, je sais pas si vous voyez. Vous voyez Kutuzov, ouais, vous voyez. Oui, on le voit clairement. Claude Famous qui va sortir du câble. Ah non, vous le voyez plus. Et en plus, il a North Carolina avec lui. Aïe, Captain Famous là. Il est mort. Là, il est mort. Ouais, il est clairement mort parce qu'il y a des torpilles qui lui arrivent droit dessus en plus. Donc ça, j'attendais quand j'ai vu son tournoi à l'intérieur, j'ai fait ouais, non. Ouais, mauvais move. Les seuls British de la campagne qui vont gagner. Bah en même temps, c'est constitué quasiment des meilleurs joueurs que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. Donc bon, c'est pas une équipe de rigolos du tout. J'en connais la plupart là-dedans et en fait, ils sont tous très bons. Y a pas de soucis. Ah non, non.
c'est normal qu'il... Quand j'ai vu les feuilles de match, je m'attendais à ce qu'il gagne. Moi aussi, quand j'ai vu les affiches, j'ai fait ouais. C'est pas une équipe qui rigole, quoi. Mais, pour autant, je dirais pas GG encore. Bah, c'est vite parti. Hein. Mais un bon avantage. Oh, pour moi, les pliés. Là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est pousser. Ce qu'ils ont à faire, c'est pousser, mais un Benson qui pousse en premier se prendra les feux de l'enfer du coup. Non, non, justement, non. Il va... C'est North Carolina qui devrait pousser. Ah ouais, ça reste un tir pit ce qu'elle a au milieu. Encore que... Non, c'est pas ce qu'ils font finalement, là. Là, t'as le Benson qui est en train de faire de la fumée. Et moi, je vois surtout un... Pegou qui est en train de se faire démolir. Ah, c'est vrai qu'il fallait avoir fait, le tir pit, c'est pas de chance. Bon, ça rappelle pas qui se fait bien focus, mais il l'a très bien fait. Il a... Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il a fait un mauvais caillou taf pour le coup. Et là. Il utilise bien le repli de l'île, il va prendre que les torpilles du PA, c'est pas. C'est chiant, mais ça pourrait être bien pire que. Tu pourrais prendre des torpilles de navire. Et là, il est en train de commencer à faire ce que je pensais. C'est North Carolina qui va avec le couteau off derrière lui. T'as Benson qui tire, j'ai l'impression, au hasard. Oui, mais il voit pas le coup de Zoff à finir. Oh, pff. Et le Kirpitz. Oui. C'est plié. GG. De toute façon, même sans ça, là, le North Carolina, il est en train de rentrer. Et le North Carolina, il est fou. Donc là, pour le tuer... Voilà. Ah, les torpilles, le ram, Non, non, non. On n'aura pas lieu. On va quand même se prendre des torpilles, mais. Je suis même pas sûr. Si, si, il va les prendre. Allez, Manimo, oui! Ouais, il les a lancés. It's time to die! Non, c'est plus très cher, tout le monde. Mais GG, bravo, belle partie de la part des Anglais. Bravo! Partie est plus intense que celle de tout à l'heure. Celle d'avant? Parce que de la part des UF. Non, elle était pas mal, celle d'avant. Je comprends que vous soyez emmerdé, mais là, celle-là, non. Enfin, celle-là, les deux dernières n'ont clairement pas été en... pas emmerdantes, en tout cas, commentées. Vraiment intéressantes. Parce que les moves des équipes sont réfléchis, en fait. Ça a joué comme je m'y attendais, ouais, en fait. Nos équipes, là, c'était un peu la one again. Oui, bah oui, bah nos équipes, oui, bien sûr. C'est pas étonnant, en même temps. Et cette équipe arrive à ramer quelqu'un. Je rigole vraiment très fort. Oui, il adore ramer les gens, ouais, effectivement. D'ailleurs, je crois que le North Carolina est plutôt prudent à l'approche, là. Ah bah, c'est pas étonnant, hein, ouais, ça c'est... Regardez-le, il est malin, hein. Bien sûr qu'il veut le ramer. Là, le North Carolina, il a compris. Ah merde Ah non, le ouais, con. C'est ça. Là, c'est ah merde. Eh merde. Oh putain. Elle est jolie. Les affaires sur la défense et sur Nord. Ouais. Ouais. Après, c'était Nord. Hein. Nord, ils aiment pas. Celle-là, c'est une map qu'ils connaissaient pas. Mais j'ai joué aux Anglais. Ouais, bien joué des Anglais. C'est... Les UFR auraient pu gagner. On aurait pu. Là, ils ont bien c'est les destroyers, ils ont pas fait retraite alors que c'était le moment. C'est le moment d'ailleurs de repartir et de revenir après, quoi. Faut prendre ses jambes à son cou pour mieux revenir. Et tout simplement, en fait, rester de l'autre côté et torpiller les quelques imprudents qui auraient tenté de ah, si c'est passé, ils se prenaient un faux de torpille, ils étaient... Ah, merde. Voilà. C'était top poop, c'est Fred. Mais bon. Bref, c'était bien. Franchement, une belle partie. C'était bien. Moi, je dis un tonnerre d'applaudissements pour nos amis anglais qui nous ont accompagnés et qui ont fait une très belle soirée. Bravo à eux. Donc, j'ai applaudi comme un con, je m'en fous. Ici, ouais. J'ai rentré dans le salon. Ouais, GG. GG, puis GG aux Anglais.